court. Pouf! Voilà, une luminosité digne de ce nom. Et c'est vrai que autant dans les boosters Shiny Star V, bon, c'est pas le même prix, c'est pas le même pays, c'est pas le même continent, certes. Mais au moins dans chaque booster, tu te fais plaisir. Oh, autant les cartes Shiny en version FR, mais au secours quoi. Bon, toutes les communes peu communes, et même holographiques, il me semble que je les ai. Il me manque encore quelques reverse. Ça, c'était des cartes promo. Si le reprêt était bas, ça augmente en prix. Non, non, pas du tout. Non, c'est juste que si tu veux le full set shiny full set shiny FR de Destinées Radieuses, bah tu dois mettre 2000 €. Et encore. Et encore, c'est même pas sûr quoi. Non, non, c'est vraiment très très cher. Voilà. Et c'est tout en fait. Les shiny classiques, j'ai que ça. C'est pas énorme, hein. Croyez-moi, c'est pas énorme. Hein. Voilà, y a du tout à fait, du Dédène, du Palartichaud. Palartichaud avec un misprint d'ailleurs. Le Prisonnier, hein, bien sûr. Bien sûr, vous savez ce que je pense de ce Pokémon, hein, bien sûr. C'est un Pokémon, hein, effectivement, c'est avant tout un Pokémon, hein, bien sûr. Watapik, Pomdrapi, on avait eu un presque full set d'ailleurs sur style de combat. Deux Amazing Rares, je sais pas s'il y en a plus. Est-ce qu'il y aurait pas... Attends... Il n'y a pas la baleine, là? C'est pas Walmer? Non. Je me demande s'il manque pas une Amazing Rare. Non, c'est Kyogre. Kyogre, oui, c'est ça. Ouais, c'est pas Walmer, c'est Kyogre. Et en fait, Kyogre, je l'ai en Amazing Rare, mais en version Jap. Rayquaza, il existe en Amazing Rare, mais pas sur cette série. Je crois que le Rayquaza, c'est en Voltage Éclatant. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Ensuite, quelques Full Art VMAX. Full Art Shiny, comme le Nostenfer, mais c'est une carte promo, donc ça compte pas vraiment. Hein, c'est comme le VMAX. Hein. Ces deux cartes-là sont très belles, hein, mais c'est des VMAX, quoi. Enfin, c'est des cartes promo, donc bon... Est-ce que ça compte vraiment? Si, le Charmy V Full Art est très très beau. Il y avait eu du Lanssorien, mais pareil, les deux Lanssorien, c'est des cartes promo. Les Evoli Négosier sont des belles cartes, c'est des cartes promo. C'est ça en fait qui me déçoit un peu avec cette extension, c'est que bah, en fait, les belles cartes, c'est celles que tu as à tous les coups dans les box, dans les quad packs et tout. Hein. Avec ces deux-là, dont celle-ci qui est une carte promo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. On va voir. Donc, sachant que j'ai toujours pas tiré... ça, c'est des doubles après que j'ai, des doubles en reverse, puis des doubles en holo V, full art, et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, bon ouais, c'est une collection un peu en demi-teinte. Hein. En fait, c'est une série qui pourrait être très belle. Le problème, c'est que le drop rate est vraiment compliqué, je trouve. Donc, écoutez, on va voir ça. Sachant que dans les ETB Destinées Radieuses, donc c'est du 10 booster avec, bon bah il y a des tonges, il y a des sleeves. Et les Thanatos V était stylé, j'ai la V et le V Max d'ailleurs en version japonaise. En version japonaise j'ai le V Max et en version française j'ai que le V. Ouais. Faut arriver à choper les packs vu les prix et la vitesse à laquelle ils disparaissent. Ouais. Le prix public conseillé hein, pour ça c'est à peu près 60 € environ. Faites attention à l'inflation, n'achetez surtout pas ça à 100 €. Hein. Si vous avez une boutique ou même un site qui le vend, c'est pas censé coûter 100 €. Hein. Donc faites attention à ça. Je vais juste ouvrir... C'est quoi le site PokéCardex? J'aurais juste voulu vous montrer les quelques cartes sympas qui existent. Attends, on va virer les holos. Les rares, les unco et les co. Ah, le Sinistrel, ouais, c'est vrai que j'ai pas le Reshiram. Ah oui, c'est ça le Kyogre, hein. C'est celui-là qui me manque. Ouais, je l'ai en version Jap, mais pas en version française. Le Morpeko qui est sympa aussi. Mais en fait, j'ai pas mal de ces cartes-là en version japonaise. L'ornithologue que j'avais eu, Balmasqué, Alba, les dresseurs, Peterson, Poké Enfant, Carolina que j'ai eu en VF. C'est vrai que le Charmy VMAX Fantôme, enfin Rainbow, existe. Ensuite, il y a tout le bloc des Shiny. Et il y en a, hein, puisque je crois qu'il y a 120 Shiny, je crois, un truc comme ça. Ensuite, le Go-Rythmique VMAX, hein, du coup, que j'ai. Celui qu'on recherche, bien sûr, la carte la plus recherchée de ce set, c'est le fameux Dracaufeu VMAX Shiny. J'avais annoncé combien de sub-gifts si je la trouvais? 20 sub-gifts, hein, j'avais annoncé, il me semble. Quelque chose comme ça. Le Loclass VMAX que j'ai en version Jap, qui est très joli, hein, ceci dit. Salarsen, un que j'ai pas du tout ni en français ni en japonais, c'est l'Angoliath. Angoliath qui existe en V et VMAX. Le scan n'est pas de pas très bonne qualité, mais je trouve que le Pokémon est très stylé. Celui-ci, j'aimerais bien l'avoir, hein. Soit l'un, soit l'autre, sachant que c'est un V full art, hein, bien sûr. Les Eternatus, on les connaît, les Métamorphes aussi, le Moumouflon, et pas Moumouton, on connaît également. Donc voilà. Miaus de Galar, il est stylé, hein. Version Shiny. Rugissement évolutif. Il a vraiment une tête de filou. Bah voilà. Voilà ce qu'il est possible d'avoir en gros sur cette série. Donc on va commencer ça. Allez. Vous voulez le faire en ASMR? Oh, quel enfer. On va le faire en semi-ASMR. Depuis hier, j'ai ouvert un SA4 Shiny Jap. Je regrette d'avoir fait le FR. C'est autre chose, les Jap. Ouais, mais après, au japonais, c'est les Shiny Star. Shiny Star V, et c'est vraiment c'est des displays. Déjà, c'est des boosters de 10 cartes, ce qui est très rare, en fait, dans les éditions japonaises. Donc, ouais, en plus, ils avaient garanti... Enfin, ils garantissent, je crois, 2 cartes ultra rares par booster, je crois, un truc comme ça. Le micro. Ah voilà. Ah voilà. Là on entend bien le cutter. On a cette partie-là, donc on a toujours, hein, je le connaissais déjà, hein, bien sûr, mais on a toujours le catalogue qui fait office de PokéDex, hein, avec à chaque fois les versions classiques, les versions reverse, hein. Vous pouvez cocher pour voir tout ce que vous avez. Voilà, ça j'aimerais bien le cocher, hein, le Kyogre, VMAX et autres Shinies en tout genre. Je sais pas combien on va en avoir, sachant que ce qu'on aimerait tous, bien sûr, cocher, c'est celui-ci, c'est le hunt absolu de tous les collectionneurs. Toujours pas de poubelle. Non, vous savez, nous on aime bien quand c'est le bazar. C'est notre truc. On aime bien le bazar. Donc ça, c'est pour les joueurs. Le petit set 2D, les jetons, les règles du jeu, bien sûr, si jamais vous voulez vous mettre au TCG. Je vais laisser ça un peu là-dedans pour l'instant. Bientôt 2 ans. Vive les cartes. Merci beaucoup. Guillaume 14, merci à toi pour ton prime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le compte est bon, on va même les classer si vous voulez. Top, avec le Lanssorien, le Dracaufeu. Pouf. 4 différents. Hop. Ah, il y en a 3 de Dracaufeu. Allez, ça va porter chance. La voix blasée, ouais. J'avais modifié la voix Google d'ailleurs. Oh bon, ça après, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, comme d'habitude, hein, on a l'Evoli en version VMAX, c'est la carte promo de cette ETP, donc je l'ai déjà. Celui-ci, je vais le garder à la limite sous son blister comme ça. Carte que j'avais déjà, vous l'avez vu, hein, tout à l'heure dans mon album. Très belle carte au demeurant, même si câlin GMAX. Oh, c'est ce qu'on rêve tous. Un petit câlin GMAX. Ensuite, on a des séparateurs, hein, bien sûr. Hoc, voilà, je vous montre un petit peu. Donc, le pack de cartes énergie, hein, donc ça c'est si vous jouez. Le code POUC, je le garde de mon côté. Et puis ça, ce sont des sleeves mat, pareil, hein, ça c'est surtout si vous jouez. Moi je préfère faire, mettre mes sleeves à moi qui sont brillants, puisque du coup on voit encore l'effet brillant à travers. Ça c'est des sleeves donc, qui sont complètement opaques d'un côté avec les volis, et de ce côté-là c'est un effet matifiant, donc voilà. On va mettre tout ça de ce côté-là. Tu peux ouvrir la Evoli, en soi elle ne perdra pas en valeur. C'est pas une question de perdre en valeur, c'est juste une question que celle-ci je l'ai déjà ouverte. Donc là, celle-ci j'ai pas envie de l'ouvrir. Voilà. Puis en fait, j'en fais qu'à ma tête, hein, c'est surtout ça. C'est quoi la référence de la boîte? C'est ce qu'on appelle une Elite Trainer Box. Donc en français c'est coffret des dresseurs d'élite. C'est ça. Tu vois. Ce qu'on appelle une ETB. Concrètement, dans le milieu, on appelle ça une ETB pour Elite Trainer Box, Destinées Radieuses. Sachant que le numéro, donc c'est ce qui suivait Voltage Éclatant, qui était la série EB04, épée bouclier 4. Donc ça c'est EB4.5. Voilà. EB4.5, et ceci est une ETB. Voilà. C'est ça le nom exact de ce qu'on ouvre en ce moment. Hop là. Je vais remettre ça ici. C'est le bazar, ça y est. Bon, on va faire comme à chaque fois qu'on ouvre du Destinées Radieuses, comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va garder un seul booster. Lequel? Celui du milieu? Allez, on garde un booster Dracaufeu en tout dernier. Et si jamais on a le Dracaufeu dedans, bon bah là c'est 25 subgifts, hein. Au moins. Allez, c'est parti. Ça faisait un moment que j'avais pas ouvert du FR. La dernière fois qu'on a ouvert du Pokémon FR, c'était du Ténèbres Embrasé, que Relique, la boutique Relique m'avait envoyé. Corvaillus, il y en a deux, ouais. C'est quoi? C'est 4? Ouais, c'est ça. Bon, normalement, les cartes communes, on les connaît déjà bien. Toc. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On en ouvre 2-3 d'avance? Ouais, histoire de fluidifier l'ouverture. Ouais, on va faire ça. Ouais, j'en ai ouvert 4. Et c'est parti. Oh, la luminosité est plutôt pas mal. C'est sûr que ça se voit à l'arrière, hein, que c'est pas du classique. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, là, il y a déjà un truc qui me chiffonne, moi. C'est que là, on a la carte la plus rare du set. Et vous voyez, il y a une petite rayure. Tu vois? Sans même voir ce qu'il y a derrière, il y a une petite rayure. C'est pas grand-chose, hein. Ça se voit qu'en mettant une grosse lumière dessus, mais c'est pénible. Puis même là, le bord, tu vois, il est un petit peu corné. Pas beaucoup, tu vois, ça se voit quasiment pas, hein. Et tu vois, on voit qu'il y a, un petit bonk, tu vois. Petit bonk là et petite rayure, hein. C'est... Bon. C'est pas trop grave. Carte énergie. Oh là là, ça me fait bizarre de revoir ces... de revoir ces illustrations. Motisma, Mustéflotte, et ouais, parce qu'on avait... j'en avais pas mal ouvert. Quand est-ce qu'elle est sortie, cette série? C'était il y a 2 mois à peu près. Les premiers boosters Destinées Radieuses. Ouais, c'est ça, il y a 2 mois à peu près. C'est souvent le coin gauche, ouais. Oui, c'est vrai, en plus, les cartes françaises, c'est souvent le coin au gauche qui est un peu bonk. Alors qu'une Shiny que je n'avais pas, Dratatin, l'évolution... Enfin, la sous-évolution de Pomdrapi. Voilà, Verpom, Dratatin, Pomdrapi. En carte Shiny, c'est cool parce que c'est une Shiny que je n'avais pas. Donc c'est nice. C'est nice, c'est nice. Dratatin. Ah, l'illustration. Ah si, on voit bien. Ah, ça fait plaisir. Petite Shiny dès le début. Ça fait plaisir. Et en dessous, on a un Celebi. Classique. Bon, ça va. Ça va, ça va. J'ai eu peur, mais c'est bon. c'est une autre évolution de Verpom, pas une alternative. Oh. On va sliver ça. Je vais faire un tas pour ça. Un tas, hop, pour les communes, peu communes. Hop. Ok, excusez-moi. Toc. 1, 2, 3, 4. C'est point d'exclamation rangement, je pense, ce que tu cherches. Energio. Allez, Pérouillé. On va aller rapidement sur tout cela. Luxio Badabouin. Le Kélocroc. Pour savoir que c'est shiny, c'est marqué quelque part. Non, mais en fait, c'est juste que tu vois, le fond des shiny est toujours blanc avec des rayures comme ça. Des petits rayons, plus les petits éclats qui sont là. Enfin, voilà quoi, hein, tout simplement. Le Yana, bon, tout ça, c'est du connu. Le Morpeko, l'illustration de Morpeko est très cool. Il y a deux illustrations d'ailleurs de Morpeko. Volcanion, qu'on a eu tout à l'heure en version V, ici en version reverse rare même. Et en dessous, on a un Nostenfer VMAX que j'avais déjà malheureusement. Mais très belle carte au demeurant. Nous allons sliver ça. Ouais, rayures sur la Volcanion, ouais. Les Rivers, malheureusement, ça arrive assez souvent. Hein. Je suis même plus surprise, en fait, de voir ça. Toc. En bas à gauche, il y a une étoile. Ouais, l'étoile, c'est pour dire que c'est rare, en fait, hein, tout simplement. Quand vous avez la petite étoile ici, ça veut dire que c'est rare. Voilà. Donc ça, c'est une Reverse rare, avec effectivement une petite rayure ici. Un petit peu dommage. Elle se voit vraiment qu'avec une lumière vraiment pile dessus. Hein. C'est rigolo parce que tout à l'heure on l'a eu en V, ce qui était assez joli. Ouais, écoutez, ça va. En deux boosters, ça va. Toc. Ça et ça, voilà. Pas mal de rayures sur les cartes Yu-Gi-Oh aussi. Ah ouais? Ça collectionne Yu-Gi-Oh par là? Est-ce qu'on a plus de chances de choper des cartes rares sur une ETB que sur un display? Non, pas du tout. C'est juste que cette série-là n'a pas de display, tout simplement. Destinées Occultes, Destinées Radieuses, c'est des séries qui n'ont pas de display. Donc, 1, 2, 3, 4... En fait, la chance, c'est la même. C'est juste que dans les displays, comme tu as beaucoup plus de cartes, c'est forcé qu'il y ait... deux secrets rares par exemple, un certain nombre de VMAX, un certain nombre de cartographiques et tout, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a un nombre moyen et après c'est plus ou moins autour de ce nombre. Une ETB, forcément c'est soit 8 boosters, soit 10 boosters, mais en soi, le drop rate est censé être le même, c'est juste que vu qu'il y a moins de boosters, c'est forcément un peu moins flagrant quoi. Mus, tes flottes et flèches, motisma, mimigal. Wistampo. L'Evoli, qui est très joli. Hein. Belle version d'Evoli. Le Morpeko. Finalement, les Pokémon électriques vont très très bien avec le bord jaune. C'est vrai que quand tu passes de japonais à français, ça fait toujours bizarre. Cacnea en river, c'est l'archéduc en holographique rare que j'avais déjà. L'évolution des flèches, hein, du coup. Ça, je vais le mettre ici. Les reverse, ouais, je vais les mettre comme ça. Ouais, Archiduc qui est pas mal, ouais. Ouais. C'est une carte que j'ai déjà eue, même, mais... Plante, ça va aussi, ouais. C'est un peu le même type de ton. Ouais. J'ai vu une vidéo de David Lafarge. Il est passé la dernière fois, ouais. Il fait pas attention avec ses cartes, il passe trop vite. Mais nos protections. Ouais, je sais pas. Ouais, ça dépend des vidéos en fait. Des fois il va plus vite que d'autres. Je pense que quand il fait du rare, il doit quand même faire gaffe. Enfin j'espère. Il est passé la dernière fois David Lafarge. Il nous avait raid. Et donc là du coup il va faire un stream de 24 heures d'ouverture de cartes Pokémon. Pendant 24 heures. Bon courage à lui parce que ça doit être bien fatigant. 1, 2, 3, 4. Pourquoi ils n'ont jamais changé la disposition des cartes dans un booster pour avoir la plus rare à la fin? Bah, c'est parce qu'elle est protégée dans le booster. Si tu mets la carte, en fait la carte qui est dessus et derrière, dans le booster, c'est forcément les cartes qui vont avoir le plus de frottement et tout. Le fait de mettre les cartes les plus rares au milieu du booster, ça fait que du coup elles sont plus protégées. Eh oui. Non mais déjà, en plus il faut avoir le matos pour faire 24 heures de cartes, tu te rends compte? C'est ouf. Allez, les boucliers, blanc coton, de toute façon toutes les communes, peu communes, et même holographiques, hein, je crois que je les ai toutes. Ah oui, c'est vrai, le Smogo dans le fameux tunnel japonais, là, qui est un endroit qui existe vraiment autour de Tokyo. Cacnea, Kelocroc, Evoli, Smogo en reverse. Et en dessous, on a le Yanmega en rare classique. T'as mal aux mains, le travail d'usine, ouais. Ah bah après, lui il est passionné, hein. Il fait vraiment, c'est vraiment, il fait ça toute sa vie. Hein. Ah bah on en a déjà fait 5. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite. À Magic, les rares ou mythiques se trouvent à la fin du booster, elles sont moins abîmées que les cartes Pokémon. Tout à fait, mais globalement, Magic c'est vraiment beaucoup mieux que Pokémon, hein, à tout point de vue. Hein. Il paraît même que les joueurs de Magic sont tous plus intelligents que les joueurs de Pokémon. Donc franchement, apparemment même, ils ont beaucoup plus de succès dans la vie, d'une manière générale, alors que les joueurs Pokémon, bon... ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Alors, 1, 2, 3, 4... J'avoue, je suis grave con IRL. Ah tiens, tu vois, même Flynn le dit. Hein. Ouais. Globalement, les PC des gens qui jouent à Magic marchent toujours beaucoup mieux. Les processeurs, globalement, et les cartes graphiques des joueurs de Magic ont tendance à tourner 20% plus rapide que les PC des joueurs Pokémon. Donc, c'est bien une preuve, hein, finalement. Alors... Tropius, du coup, mal masqué. Ah c'est vrai qu'il y a la Timiel. Je crois que la carte Timiel existe, hein, il me semble. Attends, je vais baisser un peu le bureau. Ouais. Mustéboué, yo. Le Smogo, magnifique. En reverse rare, celle-ci, sans rayures. Ah, reverse rare sans rayures, ça fait plaisir. Et en dessous, on a les ordres du boss en rare classique. Je confirme, je joue à Magic, aucun problème de PC. Un ami joue à Pokémon, son PC full crash. Ah ouais, mais c'est ce que je vous avais dit. Hein. Il y a des études américaines très sérieuses hein, qui montrent ça. On rigole, vous le savez, on aime l'humour par chez nous. Bon, il nous en reste 4. Ah non, 4 plus celui-là que j'avais mis de côté. Donc non, en fait, là, on est à la moitié. Ok, on va ouvrir ces 3-là. La fameuse étude américaine, bien sûr. C'est vrai que toutes les semaines, il y a des gens... Enfin, à chaque fois que je fais des lives Pokémon, il y a toujours des gens qui viennent dire « Ah, moi je collectionne Yu-Gi-Oh, c'est vraiment mieux hein. !» Des gens qui viennent dire « Ah ouais, vous avez ça comme problème ? Ah, c'est marrant parce que moi, dans la communauté... » Insérer ici une nom de communauté, différente de celle de Pokémon. « Ah, dans la communauté machin, on n'a aucun problème, hein, c'est marrant hein. !» Oui, on a compris que vous êtes plus intelligents. Allez, on passe à autre chose. Ah putain. La commu Taro, et la commu Taro, hein, d'ailleurs, très sous-côté. La commu Anafuna, très sous-côté. Tu collectionnes les bocs de marque de bière. Franchement, jamais de rayures dans mes displays. C'est drôle ça, hein? Ah, c'est drôle, hein? Team Belote, ça marche aussi, hein. Me faites rire. Con de vous. La commune solitaire est pas mal aussi. Ah ouais? Ok. Okay. La commune des cartes Playboy, alors. C'est vrai que ça existe. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, Vanda m'en a filé l'autre jour. Les packs foot sur FIFA. Ah oui, c'est vrai que ça existe, ça aussi. Ça, c'est MV hein, qui est tombé là-dedans. Hein. Les cartes foot. Ok. Collection de jeux dématérialisés, aucune rayure. Bah ouais, hein. Sans blaguer. Nigosier. Je me demande s'il n'y a pas une full art de Nigosier qui me manque. Parce que j'ai la shiny full art. J'ai une sorte de V. Ouais. Il me semble qu'il y a une full art que j'ai pas. Ah, le Lixi, il tombe pas souvent celui-là. Pourtant, c'est pas une carte très rare. L'Evoli en reverse. Et juste en dessous, le Charmy. Charmy en V. Bonne ouverture de booster. Que la chance soit avec toi. Que la chance soit avec toi. Merci beaucoup, Démétrius, pour le Prime. Merci à toi. Allez, Charmy. Charmy full art, du coup. Ça fait plaisir. Alors, je l'avais déjà, malheureusement. Donc, bon. Mais très, très belle carte au demeurant. Peut-être que je l'utiliserai pour un échange. Ah, elle est très 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 belle. Puis là pour le coup je trouve que ouais, c'est un peu comme ce que je disais sur le Tornadus qu'on a ouvert en version Jap tout à l'heure. C'est que les effets de brillance vraiment vont très bien avec le type même du Pokémon. Voyez, on voit bien les sillons là dans la carte. Ouais, très très cool. Bon, ça, ça se double sleeve, hein, qu'on soit d'accord. Un double, déchiqueteuse. Ta collection de cartes rares. J'ai pas de collection de cartes rares en fait. Je classe mes cartes par série en fait. Donc après dans les séries, il y a toujours une page ou deux qui sont sympas, mais du coup il faudrait que je vous montre tous les albums, ça serait un petit peu compliqué. Ok, ok, allez, on y croit encore. On y croit encore. Après, pour les cartes japonaises, c'est vrai que je ne prends pas encore compte. En fait, je garde toutes mes communes, peu communes japonaises, là. Et je les mets... hop, je les mets en version... Je mets juste les versions Full Art, VMAX ensemble, même les holographiques, je mélange un peu les séries. Et je pense que quand j'estime avoir ouvert suffisamment de boosters, là je me mets à faire des albums complets pour tenter des semi-full sets. Prisonnier, le Nigosier, troller semi-professionnel à mi-temps. Et juste en dessous, on a le Volcanion à nouveau. J'ai l'impression de regarder un kaléidoscope. Avec les cartes VMAX, tu veux dire? Ah oui, non, avec la Charmy, là. Ah bah c'est vrai que... Ça scintille. Ça scintille, ça scintille. Un, deux, trois, quatre. Salut Gwenvania. De Flower aussi. Bonjour à ceux à qui j'ai pas dit bonjour. Lilou, merci pour le follow. Shibabat, MiTV, Tenogestalt, Afeuxo, merci beaucoup pour les quelques follow. Ouais, du coup, j'en suis quasiment à une soixantaine de boosters ouverts hein, pour Destinées Radieuses. Allez, évite de spammer les emotes, s'il te plaît. Super Dupont, bonjour à toi au passage. Ça sort les emotes canard PC, on connaît, on salue. Oh, brindibou. T'as d'autres paquets à ouvrir? Non, 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 Destinées Radieuses, c'est tout ce que j'ai là. C'est juste une ETB, après on switchera sur style de combat. C'était beau, Smogo. Oh, le Galopa, trop bien. Galopa de Galar. C'est marrant parce que tout à l'heure, on l'a eu en version V, en version japonaise. Galopa de Galar, Shiny, magnifique Shiny, hein. Magnifique, magnifique. Trop cool. Regardez, je vous montre un petit peu en plus gros plan. Trop bien, trop bien. Très très classe. Je sais que c'est une Shiny qui est assez recherchée. Globalement, c'est un Pokémon qui est assez apprécié. Je préférais la V. Ouais, bah la V, forcément, hein, c'est pas le même délire. Mais c'est une très très belle Shiny. Et du coup, juste en dessous, les ordres du boss. Ah, oh, magnifique la Ponyta là. Trop cool. Ça me fait plaisir d'avoir des shiny que j'avais pas eu. Je vais mettre. Attends, c'est ça. Ouais, vraiment cool. C'est lancé avec mon copain dans Destinées Radieuses avec 5 tin box dont 10 boosters. Résultat 6 ultra. C'est ouais, 6 ultra sur 5 tin box. Ouais ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Enfin sur 10 boosters en tout. Ouais ouais. Globalement 1 sur 2 même, on considère que c'est quand même relativement un bon taux de drop. Hein. OK, donc il reste celui-ci que j'ai pré-ouvert et celui-ci que je n'ai pas encore ouvert. Les deux Dracaufeu en fait, hein. Allez, on y croit, bien sûr. Galopa de Galar, on dirait un petit poney. L'original avait tellement la classe avec ses flammes. Ah, c'est pas pareil. J'aime bien les designs alternatifs aussi. Alors, attention. 2, 3, 4. Attention. Merci encore à Pokémon Company qui m'a envoyé ça. Merci à eux de me faire confiance. Je sais que vous ne travaillez pas souvent avec... avec des gens sur Twitch, voilà. Je sais que Twitch ne vous intéresse pas trop pour le moment. J'espère que ça changera, j'espère que je vous donne une bonne image de ce qu'est le streaming. Et voilà. Merci en tout cas pour votre confiance encore. Et flèche, blanc coton, Goupilou, l'hippotramp, prisonnier, le Morpeko, ce qui est très rigolo. Cacnea, moi j'y crois. Go-Rythmique en reverse rare. Et en dessous le Luxray, pareil, hein, qu'on connaissait déjà. L'évolution de Luxo en version holographique. Je crois même que je l'ai en double ou en triple celle-ci. Ouais, ouais, ouais. Holographique rare et comment dire, reverse rare, c'est quand même un bon tirage. Je vais mettre un sleeve simple. Est-ce qu'on peut acheter chez Pokémon Company? Bah non, après eux ils distribuent en France via Asmodée je crois. Mais je crois pas que sur le site officiel Pokémon France là, enfin Pokémon tout court, Pokémon.com quoi. Je suis pas sûre qu'il y ait de... Hop, holographique rare, voilà. Je suis pas sûre qu'il y ait de boutique, hein. Non, non, je crois pas. Merci pour ton sérieux et la qualité de ton travail, on t'aime. Bah, merci beaucoup, Cosmic Lama. Ça fait plaisir. Bon, c'est le dernier booster. Hein. C'est le dernier booster. Un ami qui collectionne, il m'a montré son classeur Lockwood. Il m'expliquait qu'à chaque fois qu'il part de chez lui, il cache son classeur en cas de cambriolage. Ouais, bon, après, les gens qui cambriolent, je suis pas sûre que ce soit des gens qui s'y connaissent en Pokémon. Mais il y a plus de chances qu'on lui vole des bijoux et d'autres trucs que des cartes Pokémon. Mais oui, oui, effectivement, bah, il faut. Hein. Moi-même, hein, vous savez que là, ça y est, hein, j'ai commencé à mettre une partie de ma collection chez quelqu'un que je ne citerai pas. Voilà. Donc là, je n'ai plus tout au même endroit. Important, hein. Attention. Laisse le PC gamer qu'on embarque le classeur Pokémon. Ah, je vous avoue que là... Bah, disons que là, moi, si on me vole mes cartes Pokémon, bon, tant que j'ai mon PC qui me continue de bosser, moi, je préfère garder mon PC à choisir. Je préfère me séparer de mes cartes Sachant que mes cartes, la plupart du temps, en plus, c'est soit Pokémon Company, soit des boutiques qui me les envoient. Voilà, il n'y a pas vraiment... Il y a un peu de valeur affective, mais ça va. Ok. 1, 2, 3, 4. Attention. Le gars qui s'était fait cambrioler 16 000 euros de Lego. Quoi? 16 000 euros de Lego? Ça veut dire qu'il s'est fait cambrioler par des connaisseurs en Lego? C'est particulier ça aussi. Hein. Ok. Moi j'ai pas vu. Hein. Alors que le PC c'est Topacha. Mon PC, tu veux dire? Non, non, j'ai certains composants qui m'ont été envoyés par Topacha, mais la grosse partie de ce PC, c'est moi qui l'ai payé moi-même. Non, non, Topacha m'a un peu aidé en m'envoyant des trucs, mais un cinquième du PC, en gros, c'est Topacha qui me l'a envoyé, à peu près. Yanma. Ok, j'ai complètement gâché le truc. C'est une amazing rare, je l'ai déjà, mais ça fait quand même plaisir. C'est le Reshiram et du coup en dessous on avait le Torgamord en rare classique. Pas de Dracaufeu, mais quand même une amazing rare, ce qui fait qu'en overall, c'est quand même une OTB qui est quand même pas dégueulasse. Hein. Et ouais, ouais, Reshiram qui est magnifique. Hein. En amazing rare. Les amazing rares en bonne qualité sont plutôt rares. Très 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 cool d'avoir une carte comme ça en double. Ah oui, l'explosion de couleurs, l'explosion de saveurs. On voit bien l'effet de cercle aussi qu'il y a là. Ah c'est très très cool. Oui. Trop trop cool. Je vais sliver ça sans plus attendre. Combien ouvrir encore? C'est tout, c'est tout, c'est tout. Pour Destinées Radieuses, là, c'est fini. C'est fini, il n'y en avait que 10. Que 10. Ça marche boîte sphinx, plus. Allez, on va faire un petit récap, du coup, de tout ce que j'ai eu. Allez, comparé à la dernière OTB que j'avais faite, franchement, ça va. Hop. Ça. Je vais poser ça ici. Par ordre de rareté, on va dire quoi? On va dire ça, 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 les deux holos rares. Et je vous montre juste les reverses rares, je vous montre pas les reverses classiques. Hop. Vous trouvez des sleeves en magasin. Sleeves, les bons sleeves, vraiment de bonne qualité, c'est plutôt sur internet qu'on les trouve. Hein. Ouais, 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 je pense. Hein. Ouais, on a eu quand même ça. Voilà, on a eu quand même ça de vraiment intéressant. Dont, ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Sur quoi? Sur 10 boosters? Ça va, franchement, ça va. Sachant qu'il y a aussi, la carte promo Evoli. Donc petit récap du coup de Destinées Radieuses, Go-Rythmique, donc ça c'est des... non pas le graphique, c'est des reverse rares hein, du coup. Go-Rythmique, Manafi, reverse rare, Volcanion également, malgré la petite rayure, c'est dommage. Holographique rare, on a Luxray, l'archiduc. En Shiny classique, hein, on a eu le Dratatin du coup... Et le magnifique Galopa, qui est une des cartes Shiny les plus recherchées. Galopa de Galar, hein, qui est très 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 jolie, effectivement. C'est la Shiny 48 sur 122, celle-ci. Toc. Une VMAX avec le Nostenfer. Une amazing rare avec le Reshiram, que j'avais déjà, mais toujours cool. Et enfin, une full art, c'est Charmy VMAX. C'est pas une secrète rare, hein, c'est pas une shiny celle-ci, mais c'est juste entre guillemets une full art, mais elle est absolument magnifique. Hein. Oh, franchement, trop trop bien. Le fond vraiment va très très bien, la pose est nickel, le fait que le bord soit argenté, c'est super joli aussi. Très très belle carte. Et ben voilà, plus bien sûr la carte promo du coup de l'ETB, ça c'est quel que soit l'ETB que vous achetez, en tous les cas vous avez cette carte là, hein. C'est le principe des cartes promo. Voilà voilà. Quel est le mieux, reverse rare ou reverse holo? Ah non, reverse rare ou holo? Non, holographique reste toujours mieux entre guillemets. Après ouais, il y a certaines reverse rares qui sont dures à trouver effectivement. Mais globalement, les holographiques sont quand même plus recherchés que toutes les reverse. Tout à fait, ouais. Ouais, donc on a eu 1, 2, 3, 4, 5 cartes vraiment intéressantes. Plus la carte promo, plus 2 holos rares et 3 reverse rares. C'est ok. Franchement, pour une ETB, c'est quand même ok. Toujours pas le Dracaufeu. Déjà 60-65 boosters. Toujours pas un Dracaufeu.